Tout le monde, alors si vous regardez cette vidéo, on m'a laissé des commentaires en disant qu'on ne m'entendait pas. Alors moi j'ai vérifié, je m'entends très bien. Ça doit être que vous avez regardé la vidéo avant qu'elle soit approuvée par YouTube, ce qui fait que ils ne mettent pas le son. Voilà, donc réactualisez la page et tout ira bien. Voilà. Donc je continue mes horoscopes avec les poissons pour le mois de juin, s'il vous plaît. Petit message du tarot des anges gardiens pour le mois de juin, s'il vous plaît. Hop, donc je prends la première, l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. En tout cas, émotionnel pour le mois de juin, voilà, c'est du positif. Alors, pour les poissons, pour le mois de juin, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour les signes du poisson pour le mois de juin? Hop. Alors, oula. Alors, on a le traumatisme d'humiliation, un traumatisme de trahison, vol, perte d'une flamme jumelle avec de la manipulation venant d'une femme. Bon. Eh bien, c'est déjà pas jojo tout ça. D'accord? Voilà. Vous avez été pour moi manipulé par une femme que vous aimiez beaucoup. D'accord? Voilà. Qui vous ressemblait beaucoup. Et donc, vous vous sentez humilié, vous vous sentez trahi, voilà. Et puis, ben oui, c'est la perte d'une personne qu'on estimait beaucoup, d'accord? Alors, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de juin, on a la carte du bonheur. Regardez, le bonheur, d'accord? Un bon présage, satisfaction, joie et bien-être sur cette trahison et cette humiliation, d'accord? Quelque chose de meilleur va pointer le bout de son nez. Il va y avoir, avec la carte de l'élévation, une évolution, une progression et une amélioration. Voilà, vous voyez? Donc ne soyez pas triste, hein? Ça va s'arranger. Alors, avec le 53 pour les poissons pour le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, on a une nouvelle déplaisante, une contrariété, un comportement inapproprié et une déception. On l'a vu ici. Des difficultés à résoudre, des responsabilités à endosser. Peut-être aussi une petite perte au travail, mais ça ne veut pas dire non plus perte de travail pour moi. C'est perte de motivation peut-être, hein? Ou alors c'est une personne qui fait partie de votre entourage professionnel. Voilà, puisqu'ici on a ennui dans le travail et on vous conseille de prendre du recul. Donc pour moi ici, c'était plus... C'est plus des soucis avec une collègue. D'accord? Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. En tout cas, retenez qu'il y a un bonheur et une élévation qui va arriver. Hein? Alors, s'il vous plaît, pour les poissons et pour le mois de juin. Les signes du poisson pour le mois de juin. Alors, oui, vous vous sentez trahi. D'accord? Il faut faire un choix. Peut-être le choix de la séparation, de quitter votre travail pour aller ailleurs, hein. Mais en tout cas, on vous conseille de rester fort, d'accord? On voit ici avec la force.
Alors, on va regarder avec le tarot des anges le petit message. J'ai quand même pas demandé de faire voler mes cartes par terre. Vous voyez, restez cool. Franchement, regardez, vous avez la carte de la libération avec l'archange Azraël. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Alors peut-être hein, que, voilà, vous avez été trahi au travail et tout, mais peut-être que, justement, c'est arrivé parce que dans ce travail, vous n'êtes plus à votre place. Peut-être que vous méritez mieux, d'accord? Voilà. Peut-être que vous devez passer à autre chose. Peut-être que vous devez prendre un autre chemin, choisir un autre métier. Allez, je suis avec mes petits mots. Alors, pour les poissons. Alors, pour les poissons. On a les demandes. Alors, demande. La magie. Attention, hein, la magie, c'est pas les rituels, les ceci, les cela. Hein. Et la femme. Peut-être, vous savez, faire. Faut regarder sur Internet. Hein, les bâtons allumettes. Hein, voilà. Et on a ici la religion. Bon, qui n'a rien à voir. OK? Et le cœur brisé. Voilà. Alors peut-être qu'il faut que vous ayez foi, d'accord, à cette magie pour vous aider à couper les liens avec cette personne, d'accord, qui est pour moi ici une femme. Voilà. Ça, en tout cas, il y a une élévation vous concernant, d'accord? On a vu aussi ici, avec l'as de l'émotion, d'accord? Merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Voilà. Donc, ayez foi, ça va s'arranger, ok? Il faut faire le choix, hein. Si vous avez un choix à faire. Vraiment, il faut rester fort et vous séparer de ces personnes néfastes, ces personnes négatives qui vont rien vous apporter de bon dans votre vie. Ok? Voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle après-midi, malgré la pluie et le temps de fou.